Ouais. Je suis plus là, ouais, je suis plus là pour démontrer un peu le. Donc là, on pourrait se faire un Eliminate All dans le même mode, pas avec le même personnage, mais on va peut-être changer un peu. Ouais. On va peut-être mettre Snake ou Plissken. Tiens, Plissken, pour le plaisir. Allez, Plissken, en mode Eliminate All. Alors, Non, qu'est-ce pas que c'est Eliminate. quand c'est en rouge? En fait, si tu veux, c'est que la personne qui a mis cette save, il a réussi le score maximal sur chaque. C'est-à-dire qu'on peut pas aller au-dessus de ce Mais score. si on peut aller au-dessus, c'est qu'il a réussi à être premier par rapport au score de base. Mais D'accord. honnêtement, ça, c'est cheaté. C'est pas possible d'obtenir un score aussi haut. Ah oui? Donc le mec, il a cheaté pour en arriver là. D'accord. Moi, enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. Après, s'il y a des gens qui en sont capables, qui me donnent la preuve concrète, parce que je vois pas comment c'est possible. Donc c'est un sneaking, donc Eliminate All. Donc là, comme son nom l'indique, le but du jeu, mais regardez ça, 62 000, c'est impossible. C'est impossible. C'est que le mec, il s'est mis toutes les armes et les munitions à fond. Et comme à la fin, on a un bonus sur les munitions restantes, et ben il s'est obtenu un score de gros build. Ah ouais. Moi, je pense que c'est ça. Bon, enfin, en tout cas, Eliminate All, c'est un mode comme le mode sneaking, sauf que en plus de devoir ne pas, enfin, de ne pas avoir le droit de se faire repérer. Il faut neutraliser tous les gardes. Voilà, il faut tous les neutraliser ou les tuer. Enfin, après, c'est comme on veut, hein. Comme d'habitude, il y a un no kill bonus. Et D'accord. voilà. Donc on favorisera les franc-tireurs et autres On mandales bien peut, placés. mais moi personnellement, bah, de toute façon, j'ai l'USP. Que Donc, choisir? pour moi, perso, je trouve ça beaucoup plus fun de tuer les gardes. Bah, un peu de sang, ça fait jamais de mal. Il y a le M9 ici, là, en fait, on peut l'obtenir ici. D'accord, donc le point d'arrivée n'apparaît que quand tu as tué tous les gardes, enfin Ouais, neutralisés. voilà, c'est ça. Tant que les gardes ne sont pas neutralisés, impossible d'aller au point d'extraction. Oui, il a cheaté, c'est pas possible, 62 000. Mais Oui. c'est. Là. Non, non, c'est complètement impossible. Alors, Mais bon, je pense que le mec, il a fait cette save dans le but de la partager et d'avoir tous les niveaux d'entrée de jeu. ouais. Moi, c'était l'intérêt d'avoir cette save, hein, parce que bon, j'avais envie de le débloquer de moi-même à la base, mais franchement. Est-ce que on est obligé de rester. Enfin, là, vu la première personne reste, obligatoirement, quand on fait ça? Ouais, il faut que tu la réenlèves D'accord. après. Donc, à toi de gérer. Is there somebody there? Là, je suis en mode. Peut-être pas. Faut que tu freeze. Freeze. Non! Oh merde! Bon voilà, encore un beau fail. Mister Fail! C'était joli. Ah, puis je connais pas la destination des gardes, je sais pas trop leur ronde. Ouais, c'est. Je me sers d'une excuse, faut bien. T'arrives à. Freeze. Déjà, quand t'en as failli un, c'est un gros soulagement. Après, t'as les suivants, mais. Lui, il va faire le tour, je crois. Ouais. Et après, il faut voir. Oh la vache. Par où il tourne? Ah, putain. Tu fais chier, toi, hein. Freeze. Bon. Aïe. Bon, c'était très mal imité, hein. Ça faisait plus vieille grand-mère. Freeze. Voilà. Ça c'est fait. Ils nous emmerderont plus. Voilà. Alors, pour l'honneur quand même, il va falloir que je réussisse la prochaine, hein. C'est pas possible. Allez, on compte sur vous, monsieur Champac. Allez. Je vais retrouver mes dons anciens. Freeze. Je suis un peu lent dans mon mouvement. Ouais, donc là, faut savoir aussi que Piskin, c'est quand même une difficulté bien au-dessus de Raiden déjà, et que les gardes voient beaucoup plus loin que le cône bleu indiqué à l'écran. Hein. D'accord. C'est vrai que bon, ils auraient pu mettre. Voilà. Non, bah j'ai raté. T'as vu, le garde il s'est retourné, il était loin et pourtant il t'a vu. Il m'a vu de très loin. Voilà. Voilà. Je ne pensais pas. Non, Piskin, je pense que ça correspond à peu près à la difficulté hard dans le jeu normal. D'accord. Tuxedo, ça doit correspondre déjà à extrême, je pense. Ah oui, à ce point-là. Je pense, ouais. Parce qu'il y avait quand même des trucs assez gros billes. Et donc j'imagine que Snake MGS1. Snake MGS1, ouais, c'est le plus dur et ouais, c'est vraiment chaud.
C'est... J'ai réussi à le finir une fois, hein, Metal Gear Solid 2 Substance. Pas deux. J'ai voulu essayer de le faire, mais franchement. Ouais, c'était très dur. Ouais, bah en fait, au bout d'un moment, t'as... Bah, d'ailleurs, même le mec en cheatant, visiblement, il a pas réussi. Parce qu'il y a 96% dans... Personnage de MGS. Hein. Ouais. 99% 96. Donc je crois que c'est les deux missions... Il y a deux missions particulièrement difficiles. Ouais. Et je pense que c'est sur ces deux-là qu'il a pas réussi. Où il y a eu la flemme. Ben, j'ai regardé dans le descriptif, apparemment, il a dit si jamais quelqu'un a réussi, réussi cette mission, s'il pouvait transférer la save. Fais gaffe, t'as que 4 munitions. Freeze. Ok, bon, on va falloir faire gaffe. Donc il y a un truc très gênant aussi par rapport à la manette de Xbox, on perd beaucoup en jouabilité. Ouais, j'ai un peu du mal. Hein. Ouais, et il y a... Bah en fait, par rapport à un truc aussi, c'est... Tu sais, sur PlayStation 2, ouais. On pouvait, en appuyant tout... Enfin, en relâchant tout doucement le bouton carré, on ouais. Pouvait baisser son arme. Ouais. Bah ça marche pas, ici. D'accord. Donc c'est vraiment très contraignant, surtout quand tu veux économiser des munitions. Ouais. Freeze. Et donc là, est-ce que je peux... Bon, voilà, je me suis encore raté. Alors ce que je voulais faire, en fait, c'était enlever mon arme et l'attraper pour l'étrangler. Et... Donc là, en fait, le seul moyen, regarde, je te montre, mais il y a quand même un moyen de baisser son arme, c'est de faire ça, et hop, tu te désarmes comme ça. D'accord. C'est le seul moyen, hein. Sinon tu peux pas baisser ton arme doucement. T'es obligé de tirer avant, en fait. Ah, d'accord. Donc là, je tire, je lâche, et puis c'est... Donc... On perd beaucoup en jouabilité. Ouais. Freeze. Mais bon, on savait comment on vibore. Hein. Je voulais le faire sur PlayStation 2 à la base, mais bon, j'ai pas encore le matos pour enregistrer sur console. Je l'aurai un jour, mais j'ai pas encore. Et de plus, mon Metal Gear Solid de Substance a morflé. Ah. Il est tellement rayé que. Ouais, il se trouve, il passe même pas. Il passe pas du tout. J'ai essayé. D'accord. En fait, il bloque sur la scène d'intro. Ah d'accord, et pas moyen de passer cette scène Non, en fait ça plante dès le début et du coup j'ai même pas le temps de la passer que ça a déjà planté. Ouais. Il faudrait que tu passes et que tu dises à certains magasins qui ont des machines. Ouais. Pour le CD. Mais putain, il faudrait une putain de machine. La machine elle va chauffer hein. Non mais bon, mais les rayures sont vraiment impressionnantes. Mais même avec des rayures impressionnantes, tu peux vraiment rendre un CD comme neuf. Bon, je vais encore me faire avoir. Bon, ça commence à être un peu... Ce niveau est assez corsé. Ouais. Donc là, tu m'as dit... Donc là, tu te mets... ouais, donc là, oui, tu veux l'étrangler, c'est ça? Donc ouais, tu lâches comme ça. Mais non! Oui, bon. C'est X. Oui, et chope-le très vite. Sans utiliser le stick en même temps. Donc c'est bon. T'as eu la chance, pas. J'ai enfin réussi. T'as eu la chance. En fait, si tu avances en même temps, ça fait la prise, l'espèce de prise de karaté ou je ne sais trop quoi. D'accord. Donc, ça, visé de loin, c'est mon passe-temps favori. Oui, il va tomber en arrière ou en avant. Ouais, il va tomber en avant. On va l'entendre hurler. Lui, il a vu un gars tomber et... Non, c'est pas grave. Mon collègue est mort, bon bah, je continue ma ronde. Hein. Mais il est tombé aussi. Oui, d'un peu plus haut lui. Il est tombé dans le vide infini. M9. Ah bah on peut continuer au M9 au pire. Non, ça, c'est... Alors je m'excuse encore d'avance aux spectateurs qui me regardent jouer, je suis très lent. Je n'ai pas encore vraiment les commandes. Ouais. Toi tu vas faire un gros dodo. Ça va venir à force. Hein. Je me suis rapide. Ok. Tac. Impeccable. Bon bah, c'était pas excellent, mais au moins je l'ai réussi. Donc voilà. Après c'est le niveau. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, c'est avec les
Enfin, j'ai pas... Ah. Alors à chaque fois c'est les mêmes niveaux donc on retrouve pour chaque personnage ou... Oui, c'est en fait c'est les mêmes décors et c'est pour ça qu'on va pas s'amuser à faire le truc de chaque personnage c'est la même à 100%, quoi. Au bout d'un moment ça va être lassant pour les spectateurs et pour nous. Ouais. Après c'est vrai que niveau difficulté ça se renouvelle pas mal. Bon. Et puis les gardes ne font pas les mêmes rondes. Il y a toujours des trucs différents à chaque fois. Ah, c'est appréciable ça quand même. Mais après bon c'est... Ça va être très lassant pour le téléspectateur. Ouais. Enfin, téléspectateur. Vous m'avez compris. L'internaute. Oui, c'est pas facile de trouver cette merde. Ça pue, ça. Ah. I'm under attack. Stay alert. Understood. All units exercise extreme. Est-ce qu'il y a des renforts? Je crois. Antoine, mon pote. Le mec il pète un câble au bout d'un moment, mais putain mais tire carrément dessus quoi. Normal, je me prends une balle. Oh putain, y'en a qui arrive, j'aime pas ça. Ça pue la merde. Ah c'est vrai, généralement la merde ça ne sent pas bon. Petite pédé, je vais te casser la gueule. Freeze. On va économiser les balles parce qu'on est presque plus. À cause de ce connard. Hein. J'aime beaucoup le bruit qu'il fait quand tu l'étrangles. Ça se répète à Ce qu'il faudrait faire un jour, c'est enregistrer un son de chaque cri différent et d'en faire une musique. On pourrait. Je pense qu'on pourrait faire en clair de la lune comme ça. Ce serait carrément jouable. N'importe même quoi. Avec un petit peu de modification à la limite. Donc lui il va se retourner je crois à un moment. Oui, je vais le friser. Freeze. Ah, plus de balles mais c'est pas grave, ils sont tous morts. Voilà. Bon, j'ai bien cru que j'allais me failer hein, sur cette mission, mais j'ai quand même réussi. Bien joué. Avec un score de merde, mais j'ai réussi. Ah bah. C'est déjà ce qui compte. C'est vraiment un score de merde, hein. J'ai fait 4000. Hein. Ah, donc cette fois peut-être qu'il n'est pas assommé. Non. Non, il n'est pas assommé. Il est pas là. Donc c'est un avantage mais un inconvénient à la fois. Ouais, très bien. Il y a l'autre qui arrive, fais gaffe. Merde. Le bruit du cœur, c'est sympa. Ouais, ça aide. Mais en fait, plus le cœur bat vite, plus t'es proche d'un ennemi. Quel con. Il manque plus de précision. Bon, en fait, ils envoient pas de renfort en mode Eliminate All à ce que j'ai vu, donc tant mieux. C'est déjà assez compliqué comme ça. Freeze. Ah, plus chier, toi. Bon, faut savoir qu'à chaque fois avec Raiden, avec Pliskin, on a par exemple là, on a 5 munitions pour 4 gardes. Ouais. Donc on a le droit à une erreur à la limite. Putain, non, en fait il y a des renforts, j'ai rien dit. Ah, oula. Oula, bon, voilà. D'accord. Prise en flagrant délit. Ouais. Donc il y a des renforts, ça dépend des missions alors sûrement. On dirait, ouais.